Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce sujet qui m'a été proposé par Françoise sur mon compte Instagram. Donc je tiens à la remercier de m'avoir suggéré d'étudier le cas de Sylvie Aubert qui est décédée il y a plusieurs années et pour laquelle nous n'avons malheureusement pu interpeller personne et personne ne sait réellement en fait ce qui lui est arrivé. Alors comme toujours, je sais très peu d'informations factuelles à son sujet. Je l'ai recherché afin d'avoir sa photographie avec moi pour faciliter mon travail. Et je vais vous proposer un tirage d'emblée sur le tarot des oppositions afin de pouvoir essayer de déterminer lors de sa dernière journée qu'est-ce qu'il s'est passé pour elle lors de la dernière journée sur cette terre pour Sylvie. Donc j'ai déjà brassé les cartes avant de commencer cette vidéo et donc je vais procéder à un tirage où je vais essayer pour être la plus précise possible de tirer donc déjà 13 cartes afin de couvrir un maximum d'informations sur sa dernière journée. Donc pour Sylvie Aubert qui fait partie visiblement d'une série de personnes qui, dans cette région-là, ont disparu ou trouvé la mort de manière étrange. Donc probablement quelqu'un qui sera apparenté à un tueur en série. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je pense que je ferai une petite vidéo d'introduction à son sujet pour vous en dire plus, comme il s'agit d'une affaire ancienne. Et pour pouvoir vous expliquer le profil de cette personne avant que vous voyez ce tirage, c'est toujours mieux. Donc c'est vrai qu'on est face à, encore une fois, la douleur d'une famille qui ne sait absolument pas ce qu'il est advenu de leur fille, de leur peut-être sœur. Et ça, c'est des affaires qui sont reprises par le pôle de Nanterre qui étudie certains cold cases, alors pas tous. Il faut avoir des critères bien spécifiques. Mais je sais qu'il y a pas mal d'affaires qui, en tout cas de gens qui aimeraient faire passer leurs affaires entre leurs mains. Et c'est vrai qu'on peut, le comprendre, hein. Évidemment, quand on a entendu parler de l'ouverture de ce pôle, je pense que pour beaucoup de monde, ça a été une grande source d'espoir. Et j'espère qu'il y aura des résultats probants pour certaines familles. Je pense qu'il y a déjà... certaines informations qui ont avancé grâce à eux. Et puis, il y avait une émission, là, je crois, sur M6, qui visiblement était bien faite par Julien Courbet et qui aurait, elle aussi, permis d'en apprendre plus sur des vieilles affaires en cours. Je ne sais pas si c'est une émission qui continue, j'ai même pas eu le temps de la regarder, à vrai dire, mais bon, le principe est pas mal. Et puis, c'est vrai que ça rappelle un petit peu à l'époque... Perdu de vue, des émissions comme ça, qui avaient un certain succès, puis qui faisaient avancer les choses malgré tout. Jacques Pradel, à cette époque-là, avait cette émission, et c'est vrai qu'elle était quand même très suivie. Allez, c'est parti. Donc pour Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier jour de sa vie? Ok. Donc là, bon, écoutez, ça commence pas très bien. Je reviens, je vais prendre une autre carte pour compléter. D'accord. Donc ici, on est sur, écoutez, une carte qui nous indique avec le roi de bâton et la carte de l'amoureux, une situation qui n'est pas, effectivement, qui n'est pas sous les meilleurs auspices. Je vous explique. On me parle d'emblée pour cette dame d'une personne qui est intervenue et qui est une personne... Qui a demandé, comment dirais-je, qui a essayé de mettre en confiance en fait. Quelqu'un qui a été à sa rencontre en fait, hein, qui s'est présenté à elle et qui a essayé de la convaincre de quelque chose.
On me dit ici qu'elle aurait dû penser en fait à ce qui était le mieux pour elle et de ne pas accepter cette proposition. Parce que cette proposition qu'on lui a faite, on a essayé de la convaincre pour quelque chose avec lequel elle n'était pas d'accord dans sa valeur morale, dans son éthique. On lui a forcé un peu la main, dirais-je, par rapport à une situation qu'elle n'avait pas envie de subir, dont elle connaissait les conséquences. C'est quelqu'un qui devait tout à fait mesurer les conséquences de ses actes et qui ne devait pas forcément être quelqu'un de très aventureux dans sa vie. Et on me dit ici que c'est une personne qui autour d'elle, en fait, l'a forcée, hein, avec vraiment une violence certaine et qui l'a blessée. Donc on voit vraiment qu'il y a eu l'intervention d'un tiers et que cette personne-là, peut-être bien qu'il la connaissait, hein. Moi, on parle de quelqu'un qui avait une influence sur elle. On me dit vraiment qu'ici, on a essayé de la convaincre, on a essayé par tous les moyens de la faire agir dans quelque chose avec lequel elle ne semblait pas être d'accord initialement. On a voulu la persuader. Alors, je ne sais pas si elle est sortie de chez elle à une heure un peu mystérieuse, un peu inhabituelle. Mais en tout cas, vous voyez, ici, on nous dit qu'il y avait un manque de choix, en fait, hein, qu'elle s'est sentie vraiment contrainte. Et puis, la carte de l'amoureux, qui arrive aussi dans ce sens-là, donc plutôt de manière négative, nous parle d'énergie qui aurait pu être empoisonnée. C'est-à-dire qu'on lui a promis quelque chose et on a menti. On lui a fait croire, monts et merveilles, on l'a empoisonné d'une certaine façon en lui présentant des choses sous un angle qui n'existait pas. C'est triste. On me dit aussi, par exemple, ici, que pour elle, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'affect. Hein. Pour elle, en fait, elle avait besoin de ce sentiment amoureux. Elle avait besoin, en fait, d'être comme une femme, de se faire ressentir comme femme. Et pour moi, on lui dit ici que c'était pas du tout ça une relation normale. Que l'amour, en fait, ne requiert aucun calcul, que c'est juste une relation simple. Et toujours être dans la générosité, en fait, l'un envers l'autre, ce qui n'était pas le cas. Ici, on nous parle d'une personne qui était dictée autour d'elle, hein, pas elle, bien entendu, mais quelqu'un qui ne pensait qu'à lui, quelqu'un qui n'avait pas du tout d'investissement envers Sylvie. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous savez si elle était en couple. C'est très intéressant aussi. Et c'est vrai que la pauvre, c'est des gens qu'on a oubliés, hein, malheureusement. Alors, ici, nous avons le 6. Le 6. Le 2 d'épée. Le 6 de bâton et le 2 d'épée. Excusez-moi, je suis dans mes pensées, pardon. Ça va pas vous apporter grand-chose, mes pensées, si je ne vous les verbalise pas. Excusez-moi. Donc, pour vous dire ce que j'étais en train de me dire, c'était qu'ici, on a un exemple, en fait, de quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne modèle. Elle a vraiment été influencée dans ses choix par quelqu'un qui s'est fait passer pour un chevalier, quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, quelqu'un qui lui disait qu'elle était très importante à ses yeux, qui lui a promis monts et merveilles. Hein, et ici, on me parle de flatter son ego, voilà. C'est le bel âtre qui arrive dans sa vie et qui lui dit un peu tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Et pourtant, on lui dit qu'il aurait fallu qu'elle fasse preuve de plus d'indépendance. Et que si les autres suivent et acceptent en fait tout ce qui est dit, eh bien c'est libre à eux, mais qu'elle aurait dû ne pas le croire et rester beaucoup plus alerte en fait par rapport à ce personnage, parce que trop de compliments n'étaient pas forcément très rassurants en réalité. Mais je pense que nous étions face à une personnalité, Sylvie, qui n'avait pas confiance en elle. Donc je pense qu'il est plus simple aussi de faire croire ce genre de choses à quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est évident, on nous dit, bon ben,
quand on ne croit pas du tout qu'on peut plaire, par exemple, et que cette personne vous d'un coup vous dit que vous êtes la plus belle chose qu'il ait pu rencontrer, eh bien on a envie d'y croire, on a envie de se laisser porter par des paroles douces, pas forcément d'être dans l'anticipation d'un psychopathe ou d'un menteur pathologique. Et là, bien entendu, il n'y a aucune critique que j'émets à l'égard de Sylvie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait le droit de croire qu'elle pouvait être aimée puisqu'elle le méritait totalement. Et nous avons ce 2DP ici qui arrive de façon plutôt positive et qui nous dit ici qu'il était temps de réfléchir. Et qu'il aurait fallu prendre le temps de s'arrêter et de regarder à l'intérieur de soi, dans ses ressentis, avant d'agir. On nous dit ici qu'elle a eu un énorme choix qui a affecté en fait le reste de sa vie et de la vie de ses proches. On lui dit ici qu'elle aurait dû penser mieux, prendre le temps, s'isoler pour réfléchir. Il y a eu un choix de sa part, hein, qui a été compliqué à faire et qui n'était pas le bon, visiblement. On nous dit ici que peu importe en fait ce choix qu'elle aurait pu faire, il aurait fallu qu'elle le fasse en pleine conscience et qu'elle en accepte l'ensemble des conséquences avant de donner son accord. Peut-être qu'ici, on nous parle aussi de choses qui auraient pu être préparées en amont avec un conjoint et pour lequel elle n'aurait pas mesuré les risques. C'est pour ça que je marquais ce temps de pause, parce que est-ce que finalement, ce n'est pas sciemment que cette jeune femme aurait suivi quelqu'un? Et là, ça serait intéressant pour moi d'avoir lu déjà un peu des choses sur cette enquête pour pouvoir infirmer ou confirmer tout simplement. Mais c'est pas grave puisque nous allons continuer avec ces cartes et puis n'hésitez surtout pas dans vos commentaires à me dire vous ce que vous en pensez. Mais je suis interloquée hein, quand même pour le moment parce que on nous parle de plusieurs personnes qui ont disparu et je pense qu'il y a effectivement un point commun, une personnalité commune qui les a mis en confiance, ces jeunes femmes. C'est pas arrivé par le fruit du hasard. Hein. C'est vrai alors il faut que je regarde. Je vais arrêter de toutes mes digressions et reprendre. Alors, nous avons un 4 de coupe et un 7 de pentacle. Donc on nous montre ici quand même beaucoup de cartes qui représentent des personnes seules. On n'est pas face à un groupe. Hein. Donc c'est pas une organisation pour moi comme on pourrait l'entendre, type réseau ou choses comme ça. Non. On est plus sur quelqu'un d'isolé, voire un couple, mais pas plus quoi. On n'est pas vraiment sur une organisation criminelle. Hein. Alors ici, avec ce 4 de coupe, comme je vous le disais, qui arrive donc à l'endroit, on nous dit que c'est le temps, que le temps est venu, pardon, pour asseoir en fait toute son influence sur le monde. Et pour commencer de nouveaux chemins avec beaucoup plus d'espoir que précédemment. On nous dit ici qu'il aurait fallu vraiment faire abstraction des paroles pour n'écouter que son cœur. Ici, on nous dit qu'il aurait fallu qu'elle entende les voix autour d'elle et qu'en fait, au lieu de se faire confiance et d'écouter son instinct, eh bien, elle s'est obligée. On nous dit de nouveau ici hein, qu'il aurait fallu considérer toutes les possibilités pour pouvoir continuer de profiter de la vie, de tout ce qu'elle apporte et du monde. On a été ici dans la précipitation, semble-t-il. Or, la précipitation de quelque chose qu'elle avait en conscience comme étant potentiellement dangereux. Je pense qu'elle n'avait pas envie de suivre cette personne et que quelque chose en elle l'y a contraint. Alors, est-ce qu'il a su trouver les mots, la culpabilisant peut-être? Avec le 7 de Pentacle, on nous parle ici de travail acharné, de quelque chose qu'on attend d'elle. On nous dit ici qu'elle est appréciée pour sa capacité de travail, de prise en charge de tâches pénibles, redondantes. On lui dit de continuer en fait à mener ses projets, mais des projets souterrains qui lui assureraient un succès. On me parle aussi ici de temps qui apporte la satisfaction. Donc je pense d'un certain professionnalisme. Il est possible du coup qu'on nous parle quand même d'une personne qui sera en lien avec son travail ici, hein, de quelqu'un qu'elle aurait pu rencontrer
en tout cas autour de son activité professionnelle, ou quelqu'un qui était fasciné par son tempérament, dans son entourage, son voisinage. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a observée, qui a pris vraiment chez elle en fait des qualités qui lui plaisaient et qu'il a certainement admirées, comme s'il pouvait se les attribuer ou essayer en tout cas de s'attribuer la personnalité de Sylvie, quoi. Bien sûr, s'il y a la famille de Sylvie qui est sur cette chaîne, je vous présente toutes mes condoléances et je vous apporte toute mon affection, bien entendu. Et ne voyez absolument pas ici un manque de respect, hein. C'est vraiment juste. Et je comprends la demande de Françoise, du coup, de m'intéresser à cette affaire, hein, parce que c'est vrai que j'imagine la souffrance atroce que, et encore non, je peux même pas imaginer, que ressentent les proches, quoi. Alors ici, je continue et je ressens un très très fort sentiment d'assommement. Alors peut-être qu'elle a pris un coup en fait sur la tête, parce que là j'ai une sensation de vertige, enfin pas de vertige, mais ouais, comme si j'étais assommée, quoi. Donc là, on a une reine de pentacle qui arrive et qui va venir avec la carte de la tour. Alors, la reine de pentacle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une femme qui est plutôt une femme dans ce sens, hein, qui apporte un soutien, qui est celle qui va apporter une certaine lumière dans une situation, quelqu'un qui a du charme, du charisme, et quelqu'un qui est plutôt droite et une bonne personne, celle qui arrive à se battre en fait, à dépasser l'ombre pour arriver à la lumière. On nous dit que c'est une personne ici qui a quand même eu au cours de sa vie une certaine unité, un certain besoin de justice. On me dit ici que Sylvie était quelqu'un qui était lumineux et qui était une personne, semble-t-il, très attachée à la vérité. On me dit ici que malgré ses relations qui peuvent être parfois nourries par l'envie, il semblerait qu'elle ait été jalousée, hein, que les gens autour d'elle l'aient enviée. Eh bien, c'est une femme qui restait toujours pleine de compassion envers les autres et qui savait faire preuve d'un certain don d'elle-même. Donc une belle personne ici, une personne qui était plutôt généreuse et qui savait se montrer appréciable et qui, j'ai l'impression en tout cas, était entourée, avait un certain autour d'elle, un certain nombre de personnes qui appréciaient sa compagnie, qui étaient là pour elle. Et on me parle par contre ici de la tour. Et cette carte de la tour, dans ce sens, nous apparaît comme une accumulation d'émotions qui ont été très dures pour elle. On me dit qu'elle était extrêmement fatiguée et qu'elle aurait pu et dû d'ailleurs prendre à ce moment-là l'idée de prendre soin d'elle, de consulter peut-être un médecin, de prendre un certain temps pour se reposer. On nous dit que son corps et son esprit n'étaient qu'un et qu'elle n'a pas su faire la reliance entre les deux. Il semble qu'elle ait poussé et repoussé ses limites. On me parle ici d'une personne qui a tellement voulu en fait en faire que du coup elle est passée dans des actions qui étaient un petit peu déconstruites. Et pourtant, elle a essayé de mettre en place des fondations solides. Elle a voulu essayer de commencer à bâtir une existence telle qu'elle l'envisageait elle, avec ses propres besoins, ses propres envies. Et en fait, que cela n'a pas été efficace. Donc en fait, ici, on nous dit qu'elle a quand même mis en place des choses de son vivant qui lui ont été, alors peut-être reprochées, mais surtout compliquées. Ça n'a pas été quelque chose qui était accepté par un entourage. Donc cette femme qui ici est représentée comme très lumineuse, effectivement, je pense, était enviée. D'accord, nous avons donc ici le 7 de bâton. Ah, nous avons l'as de pentacle ici qui arrive à l'endroit. Alors, on nous dit ici, avec ce 7 de bâton, on nous montre une personne qui est accablée, qui est chargée
et qui est, semble-t-il, harassée par par son activité. On nous dit ici, avec ce chiffre 7, que cette carte négative, en fait, on a fait très attention autour d'elle et on l'a espionnée. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui avait du mal, en fait, à canaliser ses énergies et qui était extrêmement émotive. Donc, il y a eu autour d'elle, du coup, des personnes qui se sont servies de cette fragilité et qui se sont alliées, en fait, contre elle. On nous parle ici de séries, de choses qui ont été dites à son sujet. On nous dit qu'il y avait autour d'elle un certain mépris, que sa gentillesse et sa capacité à prendre sur elle, eh bien, au lieu d'être admirée, attirait un certain mépris par des personnes certainement jalouses. Hein. Parfois, il ne faut pas chercher plus loin que ça. D'ailleurs, on nous parlait de jalousie juste avant. Et pour moi, cette façon de parler d'elle, elle a dû être au courant que certaines personnes n'étaient pas aussi honnêtes qu'elles pensaient autour d'elle. Et l'As de Pentacle ici nous dit qu'il y avait pourtant en elle une énergie de courage, une envie de nouvelles aventures. Elle avait une certaine prospérité qui l'attendait. On nous dit que c'était le bon moment pour faire du business, consolider ses alliances, être dans la relation aux autres. On nous dit que sa santé était complètement florissante et que pour elle, on était vraiment dans une énergie vitale heureuse, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui a pu attirer la jalousie. Le 5 de coupe renversé. Le 5 de coupe renversé avec l'as de coupe renversé également. Donc la coupe symbolise souvent la réussite matérielle et la richesse, par exemple. Donc là, on apprend de nouveau qu'autour de cette Sylvie, il y avait quand même beaucoup d'observations. On n'est pas sur une personne qui était si seule qu'elle le pensait. On nous dit ici qu'elle était peut-être parfois atteinte de difficultés à passer dans l'action et à finir ce qu'elle entreprenait. On peut nous dire aussi avec ce 5 qui arrive renversé que c'est quelqu'un qui avait tendance un peu à vivre dans le passé et qui ne... Alors, sans méchanceté hein, du tout, et qui du coup se créait une certaine culpabilité. C'est quelqu'un qui avait tendance à se culpabiliser et à rester vraiment bloqué à une certaine période de sa vie. On peut nous annoncer ici aussi, la concernant bah justement, un sujet qui aurait pu servir contre elle à ce moment-là, puisqu'elle était fragile et qu'elle souffrait en fait d'une certaine solitude, problème relationnel, semble-t-il. Hein. Et donc l'as de coupe qui arrive renversé nous dit qu'il aurait fallu regarder ce qui était caché en elle. Que si son cœur était si fermé à ce moment-là, eh bien c'est qu'il avait certainement été blessé par des amis ou par une relation sentimentale, parce qu'elle-même, en fait, ne s'était pas autorisée à dire la vérité. En fait, ici, on nous dit qu'elle a quand même joué le jeu des apparences et qu'elle ne s'est pas attirée des bonnes choses, puisqu'en fait, elle a menti à une personne vis-à-vis de ce qu'elle était. On nous dit ici qu'elle aurait dû se présenter sous son véritable jour. Parce que du coup, ce véritable jour représentait une certaine beauté qui n'a pas été donnée et qui n'a pas été montrée à la personne qui l'a attaquée. On nous dit vraiment que c'est une personne qui s'est cachée des autres et qui n'a pas été. Alors peut-être que c'est ça qui lui a coûté sa vie, hein, ça je ne sais pas, mais il semblerait qu'on lui ait reproché de ne pas suffisamment être honnête dans une certaine relation sentimentale. Et que cela impacte sa dernière journée, puisqu'on est bien dans la dernière journée de sa vie. Du moins, ce qu'on en sait. Et alors, nous avons ici la carte qui correspond. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous l'approcher. C'est quand même c'est la grande prêtresse. Hein. C'est une carte qui est très symbolique ici pour moi, puisqu'on y voit quelqu'un qui a les pieds attachés. Et les mains qui portent des serrages. Et ici, on nous parle de quelqu'un qui a été retrouvé ligoté. Donc, il y a vraiment cette symbolique pour moi qui ressort. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur quand on sait comment elle a été retrouvée, cette pauvre jeune femme.
Donc, pour vous en dire un peu plus sur cette carte qui est donc la deuxième carte du jeu et qui ici est arrivée donc à l'envers, on nous dit qu'il y a une certaine froideur autour d'elle, qu'il y a eu des mots prononcés qui étaient vraiment violents et qu'elle a su ce qu'on lui reprochait. On nous dit ici que les humains peuvent devenir vraiment très dangereux dans leurs attitudes et qu'il ne faut pas en fait se jouer de quelqu'un ou compliquer des situations, garder des secrets, essayer de faire des alliances dans le dos des gens. Ici, on nous dit vraiment que la personne qui s'en est pris à elle avait l'impression qu'elle l'avait trahi. Il y a eu un sentiment de son agresseur d'attendre en fait le bon moment et de se venger par rapport à tout ça. Il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de la vengeance. Et donc cette carte qui arrive avec, c'est donc le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Et nous avons avec cette carte une information qui vient tout à fait compléter celle que je viens de vous donner sur l'attachement et ouais, les conséquences de mensonges. Puisqu'ici, on nous parle d'un tempérament très froid. On nous dit que la personne qui s'est chargée d'elle, si je peux dire ainsi, était quelqu'un qui n'avait pas de sentiments, qui ne faisait pas preuve d'une grande humanité, qui était détachée de cette situation, un peu comme si on l'avait peut-être payée pour agir. Alors pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne qui est concernée, qui a agi toute seule et qui n'a pas eu de tueur payé pour ça. Mais c'est comme s'il avait agi avec tellement de détachement qu'il ne se sentait pas concerné. Et pour moi, vraiment, donc ici, on nous dit que c'est... que le mot, en fait, qui est relié à cette situation, c'est le changement, qui a eu besoin d'un renouvellement autour d'elle. Il y aurait eu besoin de ce renouvellement. Elle n'a pas accepté de se remettre en question et elle a continué d'avoir des actes qui étaient en lien avec des personnes qui n'avaient plus rien à faire dans sa vie. Et que du coup, elle a sûrement fait preuve de trop de patience et que ça, en fait, ça a impacté tout simplement sa notion de la sécurité, de se mettre à l'abri. Et enfin, donc, nous avons le 3 de coupe qui arrive ici renversé. Pour conclure le jeu de ce tarot des oppositions. Alors ici, avec le 3 de coupe renversé, on nous dit encore qu'il y a des difficultés, que dans tout ce qu'elle a pu entreprendre, et ce jour-là, on est toujours sur cette journée, il y avait déjà un état de crise, quelque chose où on lui disait de faire attention dans son couple et dans sa famille, qu'il y avait des mésententes, des choses qui n'étaient pas comprises et qu'il y avait également autour d'elle de l'hésitation. On nous dit qu'il y a eu des paroles malheureuses ce jour-là et que bien il aurait mieux fait de ne pas être verbalisé certaines choses. Il y a eu des ruptures qui se sont passées suite à une certaine conversation. Et pourtant, elle avait raison dans cette conversation. Elle a dû mettre quelqu'un face à ses contradictions. En tout cas, il me semble pour moi dans ce tirage... que sa sincérité lui est vraiment jouée de mauvais tours. Voilà dans cette journée ce qu'on peut nous dire. Alors je vais utiliser le jeu de haut comme vous devez certainement l'imaginer. Et je reviens avec vous une fois que j'aurai battu les cartes. Afin de compléter ce premier grand tirage pour Sylvie. Voilà, la sélection est prête pour Sylvie. Donc on me parle, oui bien entendu, la question comme vous vous en doutez, après avoir étudié cette dernière journée, eh bien là je vais plus interroger en fait sur comment en fait c'est arrivé, comment Sylvie a perdu la vie ce jour-là. Donc il y a eu de la confusion par rapport à soit quelqu'un qu'elle considérait comme un guide, un professeur, quelqu'un en qui elle avait confiance, et pour lequel, comme je le disais tout à l'heure sur le tirage précédent, elle aurait pu apprendre quelque chose ou être victime de quelque chose de la part d'une personne qui avait une certaine autorité, une certaine situation ou une certaine science. Mais on peut nous parler, bien entendu, d'une simple confusion qui régnait en elle par rapport à quelque chose qu'elle aurait appris. On nous parle de prendre ici. Tiens, une infirmière.
Alors, je ne sais absolument rien concernant sa santé. Je ne sais pas si cette jeune femme était issue d'une famille dans laquelle on peut avoir plusieurs infirmières ou le corps médical. Pour moi, ici, il y a une notion de prendre. Alors, est-ce qu'elle-même était infirmière? Est-ce que cette jeune femme était susceptible de prendre des médicaments? On peut nous parler aussi de quelqu'un qui serait lié à... Alors, on peut parler de quelqu'un qui l'aurait enlevé et qui fasse partie du corps médical, ou tout simplement quelqu'un qui ait utilisé une substance contre elle, c'est-à-dire une piqûre par exemple, puisque la carte de l'infirmière pourrait nous rappeler également ses actes médicaux. Donc, on nous parle plus quand même d'une situation liée à un homme, hein, quelque chose qui s'est recentré. Alors voilà, pour moi vraiment, il y a eu quelque chose, comme je disais, d'une relation sentimentale hein, autour d'elle. Il y a quelqu'un qui a profité de sa naïveté et qui a... Peut-être qu'on nous parle avec l'infirmière de prendre un rôle d'infirmière auprès d'un homme. On peut parler souvent d'un rôle de maman, mais il y a certaines femmes qui considèrent un peu être l'infirmière également de leur conjoint. On peut nous parler aussi qu'elle aurait pu apprendre autour de ce conjoint quelque chose qui se passait dans son dos. Puisqu'on nous dit qu'elle a appris et quelque chose a apporté cette confusion, il y a quand même cette carte de prendre avec une femme qui est représentée. Hein. Donc on a pu lui prendre, par exemple, je ne sais pas, une situation, un stage, une... Pour moi, il y a quand même une relation sentimentale qui est confirmée par l'érotique ici et quelque chose qui s'est resserré autour de Sylvie. La douleur. La douleur, alors voilà, la douleur et on a la chambre à coucher. La chambre à coucher qui représente vraiment une certaine intimité. Et donc on me confirme ici qu'il y a bien eu une relation de sentimentale, hein, quelque chose qui est né à la base pour faire du bien dans son existence, quelque chose qui était positif et qui a terminé en eau de boudin, comme on dit, et pour moi qui lui a apporté vraiment soit une immense déception, soit une douleur physique, effectivement. La disgrâce avec le diable. Bon. Elle était avec quelqu'un ou elle a rencontré vraiment quelqu'un de... Alors, c'est pas le diable, c'est plus le monstre, le démon. Pour moi, ouais, c'est vraiment une carte pas jolie, quoi. C'est ouais. Une attaque, quoi. La haine avec le clown. Pour moi, on a vraiment masqué les choses. Ouais. La haine a été masquée ici. La personne qui s'en est prise à elle ne... peut-être n'a même jamais été soupçonnée, ou si elle l'a été, a très bien joué la comédie. On nous parle de quelqu'un qui, pourtant, non seulement n'avait pas de sentiment, mais vous voyez, avec la carte de la haine, c'est un sentiment quand même, mais en tout cas qui était vraiment, vraiment déterminée et qui, pourtant, avait, semble-t-il, une apparence plutôt aimable, joviale, sympa. On s'en est pas méfié. D'ailleurs, ici, j'ai la carte du chef qui arrive directement après la haine et le chef avec le couple. Donc, on peut ici nous parler d'un couple hein, qui pourrait intervenir. Mais pour moi, on peut nous parler de l'une des personnes du couple. Donc, l'agression en VIOL qui amène, oh bon sang, à la mort. Il n'y a pas 36 solutions dans ce tirage. Je suis vraiment désolée pour la famille. Je ne sais pas s'il a été avéré qu'elle avait été agressée. Ouais, la résistance. Bon, alors clairement, on me parle ici d'une femme qui a été, je pense, gardée quelques jours avant de disparaître d'apparence avec la police. Alors, mon interprétation, qui n'est que mon interprétation, encore une fois. Pour moi, ici, elle a été vraiment consciente de quelque chose qui était en train de tourner court autour d'elle. On lui a appris quelque chose par rapport soit à sa vie de couple, soit à une relation vraiment très importante, un frère, un père. Il a fallu que cette jeune femme
sorte de son domicile pour pouvoir aider. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, on a fait appel à elle, on lui a menti. On lui a fait croire qu'elle aurait pu aider, qu'elle aurait pu être importante dans une situation. En réalité, il n'en était rien. On l'a fait sortir de chez elle pour s'en débarrasser. Pour moi, clairement, il y a eu une personne qui savait à qui il s'en prenait en l'attaquant, elle. Alors, peut-être qu'il ne la connaissait pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui ne l'a que observée. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus le fruit d'un hasard complet. On me dit ici que cette personne hein, qui est intervenue était peut-être bien quelqu'un qui a une apparence dont on ne s'est pas méfié. C'est-à-dire qu'il peut prendre les allures d'un policier, d'un gendarme, d'une certaine autorité, d'un militaire, pourquoi pas. On me dit vraiment que la personne a abusé d'un certain pouvoir. Hein, et que du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. On nous parle d'un expert qui cache les choses là dans la cave et qui... Ouais, il y a vraiment pour moi, autour de ce décès, donc bah oui, effectivement, une agression... à but sexuel, si je peux le dire, je sais pas, je verrai vite si je suis strikée ou pas. Mais en tout cas, bon, peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que là, l'intérêt, c'est vraiment de rester ciblé sur cette dame. Et pour moi, il y a eu séquestration. Pour moi, il y a peut-être eu un jour ou deux où elle a été enfermée, où on nous montre qu'il y a eu quelque chose, qui s'est produit effectivement autour d'elle d'une violence physique importante. C'est quelqu'un qui a subi, je pense malheureusement, paix à son âme, beaucoup de choses. Je ne sais pas encore vous dire si physiquement ils ont trouvé des choses qui laisseraient penser à de la torture, mais pour moi, il y a vraiment eu quelque chose de très douloureux. Et je vous dis, au niveau de la tête, je pense qu'il y a eu un grand coup qui a été donné. Alors peut-être qu'elle était assommée pendant quelques heures, mais pour moi, il y a vraiment eu un coup au niveau du crâne, quelque chose qui l'a... Ou alors on l'a droguée, mais elle n'avait pas tout à fait conscience pour moi. Je vais essayer de recouvrir quelques cartes de ce jeu qui me pose question. Donc, je vais même toutes les recouvrir. Allez, c'est parti avec d'autres illustrations. Ok, donc voilà. Vous voyez, il y a toujours ce système d'organisation ici avec la fourmilière, d'organisation scolaire... Il y a eu quelque chose autour d'elle qu'on a vraiment essayé de gruger. Hein. On lui a appris quelque chose. On a créé autour d'elle une situation. Une personne qui avait autorité en plus sur elle, en qui elle avait certainement un peu confiance, dont le jugement était important. Il y a vraiment eu quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, donc, on me parle de prendre et on me parle ici, on me dit le micro par-dessus l'infirmière. Donc peut-être qu'on veut nous dire ici qu'elle a essayé de prendre sa place, prendre parole, prendre son rôle, endosser cette responsabilité de femme. Peut-être qu'elle était sur le point de s'engager avec un homme, je ne sais pas. Mais pour moi, on est venu avec la communication prendre quelque chose. Elle a échangé avec une femme qui lui a pris quelque chose. C'est-à-dire, soit elle lui a appris quelque chose sur... sa vie et ça lui était négatif, soit elle lui a appris quelque chose sur un conjoint qui était négatif. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une femme à un moment donné autour d'elle, soit qui l'a mise en garde, qui peut-être était la femme officielle de quelqu'un, enfin, je sais pas, mais il y a une femme autour de tout ça. Hein. Alors, pour la carte érotique, qu'est-ce que je vais proposer ? Eh bien, en fait, on a la violence. Donc, ça se recentrait hein, sur la carte précédente. Et si cette dame était en couple, il se peut que la violence soit née petit à petit, on me dit ici. La douleur qui était au sein de la chambre à coucher, donc dans l'intimité, eh bien, ici, on nous parle de manifestation. Donc, il est possible quand même qu'elle ait parlé de quelque chose avant son décès. Que ça soit quelque chose qui ait révolté ses amis ou révolté sa famille. La disgrâce ici qui est représentée par un chat sauvage, un ennemi on va dire, eh bien je tire la carte de la hache qui tranche une main. Donc pour moi il y a vraiment de l'ordre de l'auto-sabotage hein, dans cette carte, comme vous le savez maintenant. Pour moi c'est la personne qui se coupe la main d'elle-même. Donc il y a eu quelque chose pour elle qui, alors comme on peut le voir avec la carte du démon, tout ça, qui était sûrement très observée.
mais vers lequel elle s'est rendue, puisqu'ici, elle a créé sa disgrâce en s'auto-blessant. Donc, je pense quand même qu'elle connaît ces gens. Hein. Vous voyez sur la carte du clown et de la haine, maintenant j'ai l'orage qui arrive. Et cette haine viscérale qui a été cachée derrière ce masque a explosé en fait, créant la situation, je pense, hein, on va voir avec les autres cartes, de son décès. Donc ce chef qui est représenté ici en couple, eh bien nous avons un beau parleur. Donc il y a vraiment quelqu'un dans l'homme ici qui n'était pas bon. Alors on peut nous parler du père, on peut nous parler d'un chef de famille complètement autre que son potentiel conjoint, mais c'est un homme ici. Il y a un homme qui a dit n'importe quoi, à qui elle a fait confiance et qu'elle a suivi. Alors de nouveau, là j'ai le VIOL, la carte de la mort et la carte de l'arrêt avec deux personnes. Oui, il y a quelqu'un vraiment qui était proche d'elle, qui lui a menti, mais à un point incroyable, et à qu'elle a cru. Et résister, bon bah là on est sur peut-être quelqu'un qui a essayé de contrôler sa pulsion, mais ici j'ai la carte de la libération de la pulsion. Donc en plus on est probablement sur quelqu'un qui n'a pas agi qu'une fois. L'apparence avec la police et ici le bain de requin. Donc bah, pas d'organisation peut-être, mais en tout cas une certaine facilité d'action. L'expert ici, pour moi, je vous parlais tout à l'heure de cacher des choses, de les dissimuler. Eh bien, nous avons une carte au moins qui indique qu'il y a une notion de temporalité ici et que ces personnes, en fait, ont retardé l'enquête. Les experts autour de cette enquête, eh bien, malheureusement, ont créé un contretemps et ont fait dysfonctionner le planning de la justice ici. Et on nous parle de trois personnes. On nous parle visiblement d'une mère avec ses enfants ou en tout cas de deux femmes et d'un jeune garçon. Et on nous parle de dettes sur le soleil, donc le dieu soleil pour certains polythéistes qui représentaient l'or, le rat, pour les égyptiens, voilà, ça nous parle d'argent. On nous dit ici qu'on a peut-être fait la lumière autour d'elle sur une situation de crédit, de dette importante, et que la personne qui a pu intervenir, eh bien, a eu à cœur de faire taire cette pauvre jeune femme. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu apporter quelques précisions. Je vais de suite écouter une émission la concernant afin de pouvoir effectuer le montage de ma vidéo. Je pense que d'ici là, du coup, vous aurez peut-être eu l'occasion de, si vous en avez envie, commenter. Je vous remercie de vous abonner aussi. Je vois que de plus en plus de gens ont la gentillesse de jouer le jeu et d'essayer de... Bah, de faire monter un petit peu ma chaîne, c'est vraiment super agréable et je vous remercie à tous parce que pour moi c'est important puisque comme je vous le disais déjà dans une autre vidéo, l'idée bien entendu c'est pas forcément de devenir immensément riche, contrairement à ce que certains ont l'air de vouloir penser, hein. Je peux vous publier les ressources de YouTube, là j'en suis à 43 € et quelques comme je vous le disais, c'est pas ça qui fait payer mon loyer pour l'instant du tout. C'est plus pour le référencement en fait de ma chaîne, parce que plus vous serez nombreux à vous abonner, et bien plus ma chaîne va remonter dans les propositions YouTube, et plus je pourrai comme ça essayer de proposer du contenu à plus de personnes, avoir plus de gens qui rentrent dans cette communauté entre guillemets pour partager et essayer aussi d'avoir pourquoi pas des personnes en ligne si vous avez envie de communiquer, de me parler. Si c'est des familles de personnes disparues, alors là, mais avec le plus grand plaisir, même si j'ai une toute petite audience, et ben l'objectif, c'est qu'on ne vous oublie pas, c'est qu'on parle de vous et que vos proches qui sont disparus restent dans la lumière. Donc, plus il y aura du partage autour de tout ça, et bien plus ces gens-là resteront dans nos pensées. Et peut-être qu'un jour, grâce à la cohésion de chacun, et bien on arrivera à obtenir un peu d'informations. Merci d'avoir été présent, comme toujours. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.